Salut à tous, c'est Matt Compagnie, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Pensez à liker et disliker cette vidéo, ça fera hyper plaisir. Au passage, merci pour les personnes qui ont commenté l'ancienne vidéo de présentation de chaîne. N'hésitez pas à faire comme eux pour passer. Et aussi, faut vous abonner pour passer. Allez, bonne vidéo à tous. Alors, la première chaîne à être présentée, c'est ZZ Anarchy XV. Alors, pas mal de choses à dire. Alors, ta bannière, je la trouve bien, mais il manque encore des petits trucs. Faut mettre un petit peu plus du genre des trucs sur les côtés et tout. C'est un peu plus visible en fait. Ensuite, tu devrais faire une bande-annonce, comme dans toutes les chaînes que j'ai déjà présentées. Ensuite, dans tes vidéos. Pense à mettre comment dire, des images de couverture. Et tu es sur tes PC, tu peux le faire sur PC. Playlist. Au oh, des chaînes, tes chaînes sont ouvertes. Discussion. Tu n'aurais pas de discussion. À propos, faut que tu développes un peu plus ton à propos. Dire tes projets, qu'est-ce que tu veux faire, quelle console tu joues, et etc. T'as mis un lien que Twitch. Ta Facebook, tu peux le mettre. J'aurai tes vidéos, donc je vais prendre ta dernière. Je vais te foutre un like. Pense à mettre des tags, genre là c'est Call of Duty, tu peux mettre genre Call of Duty dedans, tu vois. Call of Duty, tu mets Call of Duty, Modern Warfare, Call of Duty, Modern Warfare. Mettre le nom de ta chaîne aussi dans les tags, c'est important. Faut mettre votre nom de votre chaîne dans les tags. Parce qu'en fait, quand la personne va vous chercher, elle va vous trouver plus facilement. Pour ça que je le dis. Bon, voilà, pour l'analyse de ta chaîne. Alors, seconde chaîne à être présentée, Red Shoe. Alors, niveau de ta bande-annonce, je trouve que tu devrais changer parce que ça n'a rien à voir avec le gaming. Après, c'est pour ma part. Niveau de tes vidéos, pense à faire des miniatures. Je vais aller à ta dernière chaîne. Un commentaire, ça va, tu y réponds. Niveau des tags, ça là, tu as l'air de mettre des bons tags. Niveau des playlists. Là, tes playlists sont très bien arrangées. Niveau de ta communauté. Est-ce que tu mets des trucs? Oui, yes. Niveau des chaînes. Alors, section de chaîne. Faudrait que tu mettes dedans. Ce serait pas mal. Et ton à propos. Fais un don. Alors, moi, tu vois, niveau de la description, tu vois, fais un don. Ça, c'est pas très bien à faire. Ça, tu mets genre ta 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 ta. Tu vois, là, tu mets ça. Et tu as en gros tu mets enfin pour faire un don cliquez ici tu vois en gros tu les mets dans tes informations tu vois dans tes liens d'information sinon au niveau de la bannière elle est nickel rien à dire ça représente bien ta chaîne je trouve mais comme je t'ai dit moi je serais toi je changerais ça et aussi mets tes vidéos les plus populaires troisième chaîne est présentée alors Gig Vegas Lifestyle alors déjà je trouve que ton nom est trop compliqué. Moi, j'aurais enlevé le ça. GUV parce que les gens en fait quand ils vont trouver quand ils vont te chercher sur YouTube, ils vont galérer à mort. Ça serait mieux, tu vois. Alors, déjà tu as fait une bande-annonce, ça se trouve ça génial. Je regarde un peu tes vidéos. Alors 2020. Hop. Pareil, ça, je trouve que tu vois, niveau des que tu mets pas tes likes et tes dislikes, ça c'est pas très bon. Les commentaires, pareil, tu devrais les laisser activer, même si c'est des commentaires négatifs. Au moins, t'as des commentaires. Niveau des tags, ça, tes tags sont bien développés. Niveau de tes miniatures, ça a l'air d'aller. Niveau du playlist, des playlists bien chargées. La chaîne. Moi je dis, tu devrais quand même ouvrir tes chaînes et même mettre des amis à toi dans tes chaînes sur les côtés. Niveau de discussion, ça a l'air de répondre, c'est plus toi qui écris des trucs. Donc ça, je trouve que ton à-propos est bien développé. Ça, franchement, ça c'est un bon une bonne description. Dans tes liens, t'as mis Facebook, Instagram. Là, le mail pour te contacter, ça c'est bien. Inscrit depuis le 30 mai 2012. Ah, t'es sur YouTube depuis pas mal de temps. Pareil, moi je serais toi aussi, je mettrais mon nombre d'abonnés.
mon nombre d'abonnés en fait qui s'affiche. Voilà. Voilà pour ta chaîne. Alors, prochaine vidéo. Nebel02. Alors, déjà fais une vidéo, une bande-annonce, présentation, comme la vidéo d'avant, comme la chaîne d'avant. Niveau de tes vidéos. Alors, niveau de tes miniatures, tu devrais un petit peu changer de temps en temps. Niveau de tes playlists. T'as une playlist, tu devras en mettre plus. Niveau de tes chaînes sont ouvertes. Niveau des discussions, t'en as pas, tu devrais quand même écrire ta truc de temps en temps. Alors, ton à propos, tu devrais un peu plus te développer, dire ce que tu veux faire dans ta chaîne, quelle console que tu joues, sur quel jeu. Utip, Discord, FB, ok. J'ai regardé le niveau de ta dernière vidéo. Les tags que t'as mis. Pareil, ça c'est un truc de télé, fais gaffe aux droits d'auteur. Moi, chez toi, je mettrai un cadre autour. Ok, niveau de tag, ça a l'air d'aller. Pareil, t'as mis des tags dans ton à propos. Moi, je dis, ce serait c'est bête de désactiver les commentaires. Alors, tu as été inscrit le 19 février 2018. Continue comme ça. Moi, je dis, c'est l'air d'une bonne chaîne. Ta bannière aussi, pareil, elle est nickel. Hein. Rien à dire. Cinquième chaîne. Alors, Addict House. Alors, déjà, ta bannière, c'est un cheval. Donc je trouve ça génial, mais moi je trouve que ça manque ton nom. Donc juste ton nom sur la bannière. Alors, pareil, tu dois mettre une bande-annonce niveau de ta chaîne. Pour dire qu'est-ce que tu fais. Tes vidéos plus populaires aussi. Niveau de tes bannières, ça a l'air d'aller. Alors comme je disais, niveau de tes trucs, ça a l'air d'aller. Alors pareil, niveau de ton à propos, ça a l'air aussi d'aller. Tu développes bien ton à propos dans tes vidéos. T'as l'air de répondre à tous tes commentaires, ça c'est bien, nickel. Tes tags, tu devrais plus mettre de tags, genre là tes trucs sur le cheval. Tu mets cheval, genre les séries qui sont liées au cheval, Cro-Blanc ou des trucs comme ça, tu vois. Cheval noir, beau cheval. Là t'as plein de tags au niveau des chevaux aussi. Non, tu vas sur Google, tu marques tag cheval. Les tags qui existent sur le cheval. Après tu peux marquer compétition, des trucs comme ça quoi. Niveau des playlists, il faudrait que tu crées des playlists. Chaîne, les ouvertures de chaîne sont pas faites. Discussion. Il faudrait que tu répondes à tes discussions. Et ton à propos. Développe un peu plus ton à propos, dire vraiment ce que tu fais et ce que tu vas faire dans dans ta chaîne et tes futurs projets. Niveau des informations, faut que tu mettes tout ce qui est lié à Facebook, Instagram. Un conseil, fais un compte Instagram. C'est un conseil que je te donne. Puisque tout ce qui est lié aux choses, ça marche super bien sur Instagram. Voilà pour ta chaîne. Alors la vidéo est maintenant terminée, donc tu peux t'abonner, liker et commenter cette vidéo et aussi la partager. Merci à tous.